Dans le cadre des webinaires pour les aspirants producteurs, voici la présentation de Audrey Dionne de la Fédération de la relève agricole du Québec. Bonjour tout le monde. Donc, comme ça a été dit, Audrey Dionne, moi je suis coordonnatrice interrégionale Est. Donc, moi je m'occupe de la chasse d'Arapalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, pour ce qui est de la relève agricole au provincial. Donc, je vais aller quand même assez vite pour vous tenir éveillés pour finir cette dernière présentation. Donc, moi, je vais vous parler de l'ARACA, qui est la relève agricole en Chaudière-Appalaches, mais aussi de la fédération provinciale avec laquelle l'ARACA travaille, vu que c'est un groupe affilié. Donc, la FRAC, comme on dit, au lieu de dire le nom au long parce que c'est trop long, la FRAC en soi, quand on va vous présenter ça, je vais vous présenter c'est quoi le réseau de la FRAC, c'est quoi un peu les membres, le portrait de nos membres qui sont avec nous à la relève, c'est quoi les genres d'activités et d'actions qu'on fait à la relève, et ensuite, ben, on va tomber à la période de questions finales où ce que vous allez voir justement, on va tout répondre à vos questions que vous aurez écrites dans le chat. Donc, le réseau de la FRAC, c'est quoi? Ben, la FRAC, c'est une fédération spécialisée qui est affilié à l'Union des producteurs agricoles, un peu comme les producteurs de lait, les agricultrices, les producteurs de porc. Nous, on représente et on défend les intérêts de la relève agricole au Québec. Et quand on parle de l'ARACA, ben, on va défendre les intérêts de la relève de Chaudière-Appalaches. La relève en tant que telle, c'est quoi? Ben, c'est les jeunes de 16 à 39 ans et 364 jours, comme disait si bien Martin tantôt. Et c'est tous ceux qui gravitent autour du milieu agricole. Donc, ce n'est pas seulement des producteurs, c'est justement des gens comme vous qui envisagent un démarrage ou qui avaient simplement de l'intérêt envers le domaine, qui sont aux études en milieu agricole et qui aiment ça justement participer à des activités, continuer à se former, avoir un réseau de gens de leur âge autour d'eux qui partagent les mêmes passions au niveau de l'agriculture. Donc, vraiment, il n'y a rien d'autre que la passion de l'agriculture qui va regrouper ces gens-là à la relève. Donc, la FRAC, l'ARACA, dans le fond, on est un groupe régional. La FRAC, en tant que telle, c'est le groupe provincial et ça regroupe 4 interrégions dans lesquelles sont regroupés tous nos groupes régionaux et ainsi de suite. Donc, nous, on est, si vous le voyez à l'écran, dans la partie en vert, on est l'Est. Donc, on est le groupement de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, Chaudière-Appalaches. Et Chaudière-Appalaches, en tant que tel, vous avez également des groupes locaux qui vont encore plus subdiviser, si on veut, la région pour permettre aux jeunes d'avoir des activités qui se passent même directement, simplement dans leur MRC. Donc, ça fait en sorte qu'à la FRAC, au total, on a un beau gros total de 13 groupes régionaux pour bien représenter tous nos membres à travers la province. Et l'ARACA s'inscrit là-dedans. Donc, si vous êtes en Chaudière-Appalaches, c'est l'ARACA. Si vous êtes en Capitale-Nationale, Côte-Nord, bien c'est la RACNCN qui va être votre groupe, et ainsi de suite. Donc, peu importe où va se passer votre projet, il y a toujours un groupe de relève qui est situé dans votre secteur pour justement vous permettre de ne pas être tout seul dans vos projets, puis de pouvoir toujours échanger, puis grandir avec les autres autour de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans les groupes régionaux comme l'ARACA? Bien, c'est simple, et c'est pas simple à la fois, on fait beaucoup de choses. Donc, premièrement, ben, c'est nous qui, on va faire des activités, on va essayer de permettre de justement faciliter l'accès à de la formation, un peu comme avec le collectif de formation en formation agricole. On va aussi parfois nous-mêmes tenir des activités de formation, on va inviter des conférenciers, on va favoriser des activités de réseautage, on va aller rencontrer des députés, des élus, des décideurs politiques. On va aussi justement, quand on a des gros enjeux régionaux, on les ramène dans notre organe provincial qui est la FRAC, puis on va participer aux décisions stratégiques de la FRAC, on va travailler avec les autres groupes régionaux pour faire avancer des enjeux. Et à travers ça, c'est aussi aux groupes régionaux de, si on veut, faire quelque chose d'intéressant qui va donner envie aux jeunes d'arriver et de s'inscrire. Parce que nous, en tant que tel, le membership, c'est volontaire. Donc, les gens vont adhérer s'ils veulent adhérer, s'ils ont envie de participer à nos activités, et ainsi de suite. Donc, les groupes régionaux sont aussi responsables d'être attirants puis de répondre aux besoins des jeunes pour que ceux-ci aient envie de devenir membres. Donc, le nombre de membres qu'on a, ça représente bien la vitalité des groupes qu'on a aussi. Ensuite, ben justement, l'évolution du membership, depuis 2019, on a dépassé le 2000 membres à travers la province.
Et de plus en plus, ce qu'on voit, on a une hausse aussi du nombre de femmes dans notre membership parce que de plus en plus de relèves sont des femmes et c'est quand même très intéressant. Si on continue pour avoir une idée un peu de c'est qui les relèves, c'est qui les autres membres que vous rencontreriez dans notre organisation, ben c'est des gens de plusieurs niveaux de scolarité différents, donc autant des diplômes professionnels que collégial, qu'un baccalauréat, qu'un deuxième cycle, ou bien d'autres aussi formations. Et il y en a même qui n'ont pas de formation en tant que telle reconnue. Souvent, eux, ben, nous, on les encourage à les faire justement, comme disait Sandy tantôt, une reconnaissance des acquis et compétences, qui est une belle manière de découvrir le fait qu'on a les compétences pour avoir un diplôme, même si on n'a pas pu le finir, on n'a pas eu l'occasion de finir notre diplôme en tant que tel. Ben, faire une reconnaissance des acquis nous permet quand même de prouver qu'on a les connaissances puis les compétences d'une personne qui a fait ses études aussi, là. Donc, on est capable d'aller chercher un niveau d'études. Donc, à la relève, dans le fond, on englobe vraiment plusieurs niveaux d'études. On a plusieurs aussi gens qui viennent de différentes productions. Donc, pour vous donner une idée, ça, en 2019, on s'est amusé à regarder c'était quoi les différentes productions à travers le Québec qu'on a pour la relève. Donc, oui, il y a beaucoup de productions dans le lait. On a aussi des producteurs acéricoles, on a du bovin, on a de la grande culture, on a de l'horticulture ornementaire, on a des jeunes qui viennent de plusieurs milieux. D'ailleurs, ici, en Chaudière-Appalaches, on a même des apiculteurs aussi. C'est vraiment intéressant parce que autour d'une même table, il va y avoir plusieurs enjeux différents provenant des différentes productions que les jeunes étudient pour se lancer dedans ou dans lesquelles ils sont. Ensuite, ben, gardez pour vous donner une idée un peu de c'est quoi la relève à travers la province. Ben, rien qu'en Chaudière-Appalaches, on avait en 2019, 21% des membres de la relève provinciale étaient situés en Chaudière-Appalaches. On a un gros bassin de jeunes qui sont impliqués dans la relève, mais aussi justement un gros bassin de jeunes qui entreprennent leur passion en agriculture, qui se démarrent ou qui transfèrent en entreprise. Donc, c'est très intéressant. C'est un milieu très actif dans la région, je veux dire Appalaches, capitale nationale aussi. C'est vraiment des beaux chiffres pour vous présenter que la relève, il y en a beaucoup autour de vous aussi, si vous ne les connaissez pas encore. Donc, quand on vient, en fait, justement, on se dit, OK, ben oui, il y a plusieurs jeunes qui sont là, il y a plusieurs productions, plusieurs âges, plusieurs niveaux d'éducation. Ben, pourquoi on veut faire partie de la FRAC? C'est aussi pour justement se garder formé et informé. C'est pour travailler pour améliorer les conditions d'établissement et de transfert. Donc, si nous, on a des difficultés quand on fait notre établissement, on donne transfert, puis qu'on se dit, on s'implique à l'arrière, on dit, ben écoutez, je pense qu'il y a un problème qu'on pourrait travailler, puis que c'est un enjeu qui se défend ensuite au régional ou au provincial. Ça l'amène justement à améliorer les différents programmes accessibles à la relève. Donc, on aide aussi la relève en devenir qui n'est pas encore là. Faire partie de la FRAC, c'est aussi pour valoriser la profession d'agriculteur. Donc, on fait des visages de la relève. Si vous n'avez pas encore vu ça, vous pouvez aller voir sur notre Facebook ou notre chaîne YouTube qu'on a à la FRAC. C'est des portraits de jeunes agriculteurs à travers la province de différentes productions qui partagent un peu leur parcours, puis leurs rêves, leurs ambitions aussi. C'est très, très encourageant. Et ensuite, ben, il y a aussi les avantages financiers d'être membre. Donc, comme Sandy disait, ben, à l'ARACA, entre autres, on donne 50 $ de rabais par membre, par année pour aller chercher de la formation continue. Donc, que ce soit pour acheter, par exemple, un guide sur une production spécialisée qui est en vente par le CRAAC, que ce soit pour justement participer dans les différentes formations en continu du collectif ou autres. Toutes les formations viennent un peu en lien avec le domaine pour vous permettre de vous améliorer ou de démarrer plus facilement. C'est des choses qui s'inscrivent dans notre rabais de 50 $ par membre par année à l'ARACA, mais il y a aussi d'autres rabais avec la FRAC. Il vous suffit d'aller voir sur le site Internet de la FRAC pour connaître tous les avantages qui sont disponibles pour vous. Si on continue, quand on parle de la FRAC, quand on parle de dossiers politiques, bien souvent, nous autres, on va travailler au niveau de la fiscalité agricole, l'étalement urbain, l'accès aux actifs, surtout aussi bien, justement la bonification des programmes d'aide à relève. C'est des gros enjeux qu'on travaille autant au régional, surtout aussi au provincial. Avec justement un membership actif, des jeunes qui s'impliquent, des jeunes qui nous partagent leurs enjeux, ça nous permet justement d'aller défendre ces types de dossiers-là auprès des différentes instances. Puis on a de la chance justement, on a une bonne écoute à travers les instances. Ils voient que la relève justement, vous êtes des gens qui sont intéressés à se démarrer, que vous êtes passionnés et que aussi justement, vous êtes fonceurs puis vous êtes persévérants. Donc ça donne
justement du poids quand on fait des demandes et qu'on défend des enjeux parce qu'ils voient le sérieux de vos démarches, vu que c'est quand même assez. C'est une bonne montagne à monter pour être capable de s'établir en agriculture. Donc, il y a quand même un beau respect quand on veut parler de ces enjeux-là envers les différentes instances. Ensuite, ben, c'est pas juste du politique, c'est pas juste des avantages financiers. La relève, comme en Chaudière-Appalaches, comme à travers les autres régions, c'est en année normale, c'est beaucoup d'activités sociales et de réseautage et de formation, comme je disais tantôt. Donc, les groupes régionaux, puis en Chaudière-Appalaches, il y a même vos groupes locaux qui organisent différentes activités, autant que ce soit des activités sportives, des activités sociales, des activités de formation. C'est vraiment fou tout le nombre d'activités qui se fait dans une année. C'est sûr que cette année, c'est un peu plus ordinaire. On essaie de faire quand même plusieurs choses à distance pour essayer de briser l'isolement. Mais entre autres, à la RACA, ben, on a normalement un méchoui à l'automne. On a un tournoi de deck hockey avec tous les jeunes qui veulent se faire des équipes. On a aussi notre soirée hommage qui rend hommage à tous les nouveaux membres qui se sont établis durant l'année. On a aussi un tournoi de golf qui, ça, nous permet plus de faire peut-être du réseautage des jeunes avec les différents intervenants et différentes entreprises qui gravitent autour du secteur en Chaudière-Appalaches. Et à travers ça, ben, il y a aussi des rencontres qu'on fait avec des élus, des députés pour justement essayer de faire valoir les différents enjeux qu'on a dans la région et au provincial. Donc, on essaie d'avoir des activités qui répondent un peu à tous les intérêts qu'on pourrait avoir quand on arrive en agriculture, qu'on cherche des gens avec qui jaser ou juste défouler notre énergie avec un sport pour changer les idées du stress de la ferme, que ce soit aussi justement pour essayer de vraiment défendre ce qui nous tient à cœur, là. Donc, la relève, c'est vraiment un touche à tout des activités qui pourraient intéresser les gens à travers votre gros projet en agriculture. Finalement, j'y vais vite, là, mais toutes ces informations-là, toutes les activités qu'on fait, qui sont à venir, les rabais, tout ça, c'est des trucs qu'on essaye de vous faire parvenir comme information à travers aussi tous nos médias et nos réseaux sociaux. Donc, chose simple pour savoir les activités à venir, pour peut-être justement commencer à participer à des activités sans peut-être être membre si vous n'êtes pas sûr de vouloir l'être encore, ben, suivez nos pages Facebook, que ce soit la page de la FRAC, qui est provinciale, ou la page de la RACA, ou même une des 12 autres pages des 12 autres régions, dépendant de où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous voulez lancer votre projet. À travers nos pages Facebook, justement, on va partager des parcours de relève, des articles intéressants, des formations à venir, des activités que nous-mêmes on organise. Et si vous voulez plus d'informations, plus de détails, le site web de la FRAC est une belle référence aussi pour vous rediriger justement vers soit des outils pour le guide de démarrage et autres. Donc, on essaye de toujours garder des références vers les différents intervenants, justement, autant régionaux que provinciaux, pour vous aider, vous faciliter la tâche dans votre recherche d'informations quand vous vous lancez en agriculture. Donc, j'y suis allée un peu vite, mais moi, dans le fond, c'est ça, je ne voulais pas vous faire une grosse présentation, puisque l'important avec la relève, c'est justement d'essayer de se lancer dans les activités puis de venir réseauter avec nous. Donc, si vous nous cherchez, cherchez-nous sur Facebook, puis moi-même, vous pouvez me rejoindre avec Audrey Frac sur Facebook, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous.